Allez, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve, vous l'aurez compris avec les images précédentes, dans le showroom, dans un des showrooms de Sharjah. C'est un, faut savoir, c'est un grand, grand marché de véhicules d'occasion. Donc, nous sommes sur Sharjah. Il y a à peu près plus de 150 shops ici. C'est juste énorme. Bibi vous le confirmera. Alors, vous le voyez ici, on a pas mal de gros véhicules. On a pas mal de Mercedes. Alors, c'est du neuf ou pratiquement neuf, les amis. C'est juste incroyable. Vous avez du Jeep, vous avez du Wrangler, vous avez de la Mercedes, vous avez pratiquement de toutes les marques. Alors, il faut savoir que celui-ci, en plus, c'est un énorme shop. Il a 5 grandes surfaces comme celle-ci. Donc, autant vous dire qu'il y en a pour des millions d'euros, juste pour ce personnage-là. Alors, il faut savoir que chez lui, on achète, nous, pas mal de voitures parce que c'est de la bonne qualité ici. Il y a de la très bonne qualité dans des endroits. Et puis, il y en a, Bibi, tu le confirmeras, il y a des endroits où il y a de la moins bonne qualité, même sur des véhicules neufs qui, des fois, en général, peuvent être accidentés. Ça arrive beaucoup quand ce sont des véhicules qui arrivent de provenance des USA. Alors, il faut savoir que Dubaï, un véhicule qui a été accidenté, que l'on appelle salvage aux USA, peut être réparé à Dubaï et peut rouler sur les routes de Dubaï parce que ce n'est pas interdit, contrairement à chez nous, en France, où là, ça devient compliqué. Ça fait plus de maintenant un an et demi où les véhicules salvage sont interdits de rouler en France. Donc voilà, c'est là où est la petite particularité, pardon. Faites attention quand on achète, quand vous achetez à Dubaï ou avec qui vous achetez à Dubaï, surtout vérifiez bien Carfax et que ça soit bien du clean title, comme on l'appelle, c'est-à-dire un titre de carterise ou un titre de propriété et qui soit sans accident. C'est très important. Benjamin, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses de ces véhicules ici? C'est du neuf, hein? Ben oui. C'est vraiment magnifique. Regardez, un petit V8 comme ça, biturbo. Elle est juste splendide. Alors, c'est du pratiquement neuf. Elle a 7000 km. 7000 km. Alors, on va retrouver ce qui est bien ici. On va retrouver toutes les spécificités un petit peu du véhicule. On va voir le numéro de châssis, l'année, le kilométrage, bien entendu, son prix. Et puis ensuite, quand vous êtes ici, ben, si le véhicule vous intéresse, il suffit de rentrer parce qu'il fait très chaud. Vous le voyez pas, mais il fait très, très chaud en ce moment. Donc, il suffit d'aller rentrer dans l'office là-bas, dans le bureau, et d'aller poser les petites questions. Et puis, il y a quelqu'un qui va venir sortir, va vous montrer le véhicule. Et puis, si vraiment vous êtes intéressé, bien à ce moment-là, on va pouvoir aller faire un test drive et on va pouvoir aller vraiment essayer le véhicule. Pour nous, en l'occurrence, bon, là aujourd'hui, c'est pas dans ce shop-là, on va vous montrer d'autres véhicules après qu'on est venu checker. Mais on voulait vous montrer ce shop-là parce que c'est juste magnifique. Venez avec moi, vous allez voir. Celle-ci, par exemple. Alors, c'est pareil, c'est de l'occasion, 2019, 38 000 km. C'est un noir mat, hein, Benjamin, c'est un covering. Hein. C'est un covering. Ici, on a la magnifique Maybach. Alors, on n'en voit pas tous les jours en France, c'est vrai, mais quand on a ça en France, on peut dire qu'on a quand même un joli véhicule. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors là, de la Mercedes. En veux-tu, en voilà, il y en a de tous les goûts, de toutes les couleurs et de tous les modèles. Ensuite, venez-moi, les Jeep, c'est assez spécial. Donc là, c'est pareil, on va retrouver, alors là, c'est principalement du 2022, mais on va avoir des spécifications différentes. On va avoir du Sahara, on va avoir, j'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus si c'est ici, du Rubicon. Il y a vraiment de tous les modèles et de toutes les couleurs. Alors, en général, ne cherchez pas le diesel à Dubaï, c'est très rare, ou alors sur des gros camions, mais voilà, c'est en général que de l'essence ici. Alors, ce qui est bien, ce que l'on fait beaucoup, nous, c'est que l'on les envoie en France et après, on a des partenaires avec lesquels on bosse, où ils vont pouvoir vous mettre la transformation éthanol, donc ce qu'on appelle, Benjamin, le flex. Flex fuel, voilà. On a pas mal de nos collaborateurs qui vont pouvoir vous installer le flex fuel sur les véhicules. Ok, alors là, justement, vous voyez, on est dans ce shop-là. Et là, Benjamin vient de nous trouver une belle petite pépite. Pour lui, c'est la pépite de ce showroom-là. Explique-nous un petit peu, Benjamin, qu'est-ce que tu as trouvé alors? Durango, là, on est sur un Durango 2020, du coup, qui a 30 000 km en SRT8. Donc, c'est le C4 qui a dedans, c'est le gros moteur dessus. Donc, on a beaucoup de carrosserie qui est dessus. Le véhicule est quasiment neuf, quoi. Dessus, donc ça, en gros, prix de départ de Dubaï ici, au début, on est sur du 45 000 euros. Donc 45 000 euros, prix de départ de Dubaï. Ouais, tout à fait. Ok, il a 27 200 km. Et c'est vrai qu'il a une jolie, jolie coupe. Ça, c'est un gros bébé familial et qui, en même temps, a pas mal de gaz. Il est en cette place, celui-ci. Voilà, donc c'est bien le SRT. Et c'est juste énorme. Ça, c'est un... C'est vraiment une belle brosse citadine.
il y a plus que ça, hein. Non, franchement, celle-ci, ça, c'est la belle petite perle de la journée. Allez, donc les amis, on continue. Alors là, on est venu inspecter une voiture, vous allez le voir tout de suite après, une Camaro ZL1 qui est très jolie. Vous avez vu dans ce shop là aussi, c'est pareil. Alors là, c'est du multimarque. Vous voyez, on commence par une petite Audi S8. On a de la Porsche, de la Mercedes. On a une belle petite M6. Alors c'est vrai que là, on est venu dans ce showroom il y a à peu près une dizaine de jours. On est venu checker une voiture et malheureusement, on a découvert qu'elle avait été accidentée. On a envoyé toutes les photos, les vidéos aux clients. Et puis donc, on l'a refusée de nous-mêmes. On a dit stop, on arrête là. On avait vu qu'elle était accidentée. Et là, aujourd'hui, on a une belle surprise. Regardez, il y a une belle Maserati aussi. Et là, on est sur une Camaro, donc ZL1, modèle 2018, tout ça, c'est ça ? 2018, et alors c'est du modèle GCC, donc c'est-à-dire que cette Camaro-là a été fabriquée donc aux USA, mais pour le marché de Dubaï. Elle a été, donc son premier kilomètre a été fait réalisé à Dubaï, ce qui veut dire que ce véhicule, donc ça s'appelle un véhicule GCC, Golf Specification, et ce qui veut dire que on peut retrouver des petits rapports d'accident sur quelques sites que l'on a et que l'on confie à nos clients, bien entendu. On peut avoir des historiques, on peut retrouver si elle a été accidentée peut-être dans un parking à 10 km/h, est-ce qu'il y a eu un accident à 50 km/h dans une ville. Voilà, on a pas mal de petits indices, mais après le principal, c'est vraiment le check sur place qui est très important, puisque on a des outils, pour pouvoir regarder un petit peu tout ça. Benjamin d'ailleurs est là, notre technicien. Je vous présente Benjamin pour ceux qui ne le connaîtront pas. Alors, sachez qu'on a quand même sur notre page Facebook, on a pas mal de vidéos de tous les checks que l'on fait. Donc Benjamin qui arrive tout droit de Bordeaux, maintenant ça fait combien de temps que tu es avec nous? Peut-être deux ans et demi, donc qui bosse avec nous. Il avait les spécificités d'être carrossier à l'origine et pas mal de mécanique dans les doigts aussi. Donc il connaît toutes les petites astuces pour découvrir si le véhicule est en bon état ou pas. Et puis bien entendu, on a ce que l'on disait, nos différents petits produits supplémentaires. On a là pour pouvoir tester les épaisseurs de peinture. On a la petite valise qui va bien. Et puis après, on reste des humains, mais on a nos yeux et on a des téléphones pour pouvoir faire les vidéos et tout ce qui va en direct pour le client. Allez, venez avec nous, on va voir un petit peu plus de plus près. Donc Camaro ZL1, elle a une full finition carbone. Carbone, alors elle a un petit peu de kilométrage, le client le sait, hein, et on lui a dit dès le départ, elle a 130 000 km. Et bon voilà, il le sait, il a déjà vu les photos. Nous, on a déjà regardé un petit peu sur les réseaux qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur le véhicule. Et puis bon, ben ma foi, là pour le moment, ça reste une belle surprise. Benjamin, qu'est-ce qu'on pense? Ça va, mais l'avant droite ici, c'est là, il y a du mastic dessus. D'accord, donc là, l'avant droite a été repeinte. Ouais, deux ailes avant étaient repeintes. Donc là, comme nous dit Benjamin, bon alors ça c'est des petites techniques, mais on va pas rentrer dans le vif du sujet, mais vous voyez, on a des rivets qui sont là d'origine avec un mastic du Bold, c'est ça? Ce que l'on appelle Benjamin, c'est le Bold de McPherson. Le McPherson. McPherson. Ok, donc qui est en état d'origine des deux côtés. Après, ce que l'on fait en général, c'est que l'on vérifie aussi tous les plastiques, toutes les fixations, est-ce que les vis sont d'origine ou pas, est-ce que les ailes sont estampées de la marque du... Donne pas tous les secrets quand hop, même. Hop, allez, on arrête là, on ne donne pas plus alors. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre sur ce véhicule? Alors, donc, on a là Lucas qui, lui, au fur et à mesure, parle avec son client, envoie les vidéos au client du descriptif du véhicule et ce que l'on trouve au fur et à mesure. Là, comment ça se passe? Donc, ça se passe en trois étapes. La première étape, c'est quand vous nous contactez, vous allez nous indiquer, voilà, je suis en France ou en Bulgarie ou en Afrique. Bon, on va savoir qu'on a des revendeurs un petit peu partout aussi dans le monde. Mais comment ça se passe? La première étape, vous allez nous dire, voilà, je cherche une voiture, j'ai tel budget, je cherche ce véhicule-là, peut-être avec cette spécificité-là et cette couleur, ce kilométrage. Ou bien vous allez nous indiquer, voilà, j'ai trouvé sur les réseaux à Dubaï un véhicule, attends Benjamin avant de démarrer je te prie, un véhicule, celui-ci, et vous nous envoyez l'annonce. Et de là, nous, on va commencer notre investigation depuis les bureaux dans notre dépôt, dans notre showroom à Dubaï. On va commencer nos investigations et on va rechercher tout ce que l'on peut trouver sur le net, sur nos réseaux ici en interne. Et pourquoi pas deux, trois petits coups de fil à des gens que
qui peuvent nous dire des petits suppléments qu'on peut, que pratiquement personne ne peut trouver. De là, quand on s'est aperçu que le véhicule en lui-même, on n'a pas de gros soucis, on va dire, sur Dubaï. On a peut-être trouvé un petit accident à 15 km/h sur une aile avant ou un pare-choc ou quoi que ce soit. Donc, on a déjà des petits indices qui nous permettent de savoir où est-ce qu'il va falloir peut-être accentuer un petit peu plus. Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, quand vous avez un accident, si vous touchez, même dans un parking, à 2 km/h, logiquement, tout le monde appellera toujours la police pour pouvoir déclarer l'accident, parce que c'est obligatoire. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours des rapports de police qui existent. Ensuite, après ça, donc, on va venir se déplacer voir le véhicule. Donc, à ce moment-là, ça sera à vous d'être connecté en même temps que nous, à savoir qu'on a en général 2 heures l'été et 3 heures de différence l'hiver, de décalage. On est en avance sur vous. Donc, on va venir détecter, checker le véhicule. Vous voyez, comme là maintenant, il est 6h10. Donc, le client à Lucas, en live, lui, il est 4h10 en France. Donc, on va l'avoir prévenu à l'avance. On va lui expliquer. Voilà, on va être sur le site. On va aller vérifier le véhicule. Reste connecté avec nous. Garde bien ton téléphone avec toi. Et on va faire tout ça par WhatsApp. Donc, on va lui envoyer beaucoup de vidéos. Et s'il faut, on pourra faire même un live en BoTeam. Parce que WhatsApp, c'est compliqué ici. Mais BoTeam, ça marche très bien. Et donc de là, on va faire toutes nos investigations, on va tout regarder sur le véhicule et donc dans le premier moment visuel, on va passer la valise, on va peut-être même aller faire un test drive et de là, on va commencer déjà à expliquer au client, voilà, ce qu'on a trouvé sur le véhicule, c'est ça, 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 ou alors il est parfait, ou il y a, attention, il y a des frais sur ça, ça, ça. Si le client nous valide et nous dit on continue parce que le véhicule me plaît, je sais qu'avec la marge que je vais faire entre le prix de Dubaï et le prix livré en France TTC homologué avec Dubaï Car Export, je sais que j'ai une marge de temps. Donc oui, les travaux, Benjamin va rentrer donc en considération à ce moment-là. Les travaux, à peu près pour combien il y en a? Benjamin va peut-être dire 1200 euros approximativement, une centaine d'euros près. Donc s'il nous confirme, ok, et là on continue, à ce moment-là on prendra le véhicule et on ira dans un endroit qui est dédié pour pouvoir mettre le véhicule sur pont. Alors pas un contrôle technique comme beaucoup font, où ils ne vont pas pouvoir rentrer dedans. Nous on a deux petites astuces, on va l'amener dans un endroit où on va pouvoir le mettre sur un pont, comme si c'était notre propre garage, et on va pouvoir aller regarder le châssis, on va pouvoir aller regarder les plastiques, on va pouvoir regarder s'il y a de la fuite, on va pouvoir regarder aussi bien entendu tous les trains roulants, avant, arrière, les ponts, voilà, on va pouvoir tout inspecter vraiment de A à Z sur le véhicule, comme si vous l'ameniez chez votre mécanicien en France et vous lui disiez, voilà mon véhicule et j'ai peut-être un son ou je voudrais faire une révision complète, dites-moi ce qui a changé sur le véhicule. Voilà, ça va vraiment être ça, notre propre boulot. Donc ensuite, allez, viens voir. Donc ensuite, là, on a Benjamin qui est en train de passer la valise dessus. Qu'est-ce que tu nous trouves, Benjamin? Pas mal de petits défauts. Pas mal de petits défauts. Allez, tu peux parler un petit peu plus fort qu'on t'entende. Donc là, ça, Benjamin est en train de le faire et bien entendu derrière, Lucas va faire la petite vidéo à son client pour lui expliquer ce que l'on a trouvé. Alors, il faut savoir que des fois, on peut trouver des défauts qui sont de longtemps avant, qui ont peut-être été même réparés et qui vont rester dans la valise. C'est pour ça qu'on va on va prendre la première moment sur la vidéo, on va montrer ce qu'il y avait avant. On va éteindre, on va delete, c'est-à-dire qu'on va effacer tous les défauts et on va recommencer par la suite pour bien vérifier que ça soit des défauts permanents ou c'est ce qui c'était occasionnel. Donc avec cette valise là, vous allez pouvoir savoir si, admettons même le tour en une heure, si il y a des problèmes de catalytique, s'il y a des problèmes de sonde, s'il y a eu des chauffes antérieures, le kilométrage, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, si les sièges, il y a des dysfonctionnements sur les sièges, sur la musique. C'est vraiment tout l'électronique du véhicule qui va être scanné et où on va pouvoir retrouver tous les défauts. Ce que l'on va faire aussi, qui est très important, c'est qu'on va toujours demander au vendeur combien de clés est-ce qu'il y a, parce que ça c'est très important. C'est quand on a une clé en général et qu'on oublie de dire, ben, de suite après c'est un problème parce qu'une clé c'est compliqué, on l'oublie dans la voiture, avec tout sur dos, avec tout l'électronique qu'il y a sur ces véhicules-là, on l'oublie dans la voiture, on ferme la porte malencontreusement, on se retrouve sans clé, ben là c'est dépannage en France et ça coûte très cher. Donc en général on va toujours dire au client, attention, il y a une, deux, trois clés, c'est parfait, on est bien. Bien entendu, on va les essayer aussi. Ok, donc je vous disais, ce véhicule-là, donc c'est un moteur supercharge, donc on est aux alentours des 650 chevaux pour ce gros bébé-là. Donc là, Lucas, comme vous le voyez, est en train de continuer de faire sa petite inspection. Venez tout le monde. Donc là, il lui a indiqué, et puis ça se voit, hein, on a une aile qui a été repeinte, mais qui c'est un petit peu, qu'on appelle ça frisé, on appelle ça en France. Donc on voit que l'aile a été repeinte, mais c'est pas du top qualité. Donc ça, on va dire au client qu'il faudra certainement la reprendre si on veut un travail vraiment qualitatif. Donc là,
Comme on le voit, Lucas est en train de faire un détail complet de l'état carrosserie. Il lui dit les bons éléments, hein, c'est-à-dire qu'on a un rétroviseur qui est en bon état, on a une vitre qui est en bon état, qui est pareillée, on a des plastiques, on a des joints qui sont en bon état. Voilà, il lui fait un truc complet. Vous voyez, là, il y a des petits impacts, ça se verra peut-être pas à la caméra. Il est en train de lui dire il y aura un débossage sur peinture, débossage sans peinture, pardon. Voilà, donc là, Lucas est en train de dégrossir la situation, de lui expliquer plus ou moins en carrosserie quelles seront peut-être les différentes petites choses à faire si on veut vraiment un véhicule dans un état concours. Après, il faut savoir que Dubaï, c'est comme partout, ce sont des véhicules d'occasion qui vivent, qui vieillissent. Donc, il peut y avoir des impacts sur les portes, il peut y avoir des joints ici avec le soleil. Il y a quelques marques qui sont moins résistantes au soleil que d'autres, BMW, Mercedes, où les joints vont un petit peu plus travailler. Après, ben voilà, donc on fait un état carrosserie complet. Comme vous le voyez, Benjamin, lui, est toujours à l'intérieur de la voiture. Il est toujours au diag en train de chercher, de regarder s'il trouve quelque chose qui est défaillant ou pas. Et puis voilà, donc là, on va attendre un petit peu, voir ce que va répondre le client à Lucas. On va savoir ce qu'il va nous dire, s'il nous demande de continuer, si par rapport à son budget, tout reste encore dans l'idée et on est encore bon, ou si tout simplement, il va falloir arrêter parce que entre l'achat de la voiture, le transport, les taxes en France, l'homologation, plus les petits frais qu'on va avoir trouvés ici en interne, est-ce que ça risque de peut-être dépasser son budget, même si pardon, le véhicule est toujours moins onéreux livré TTC homologué que le prix du marché français, mais certains clients ont un budget à ne pas dépasser. Vous voyez, par trait d'exemple, peut-être que cette voiture-là vaut 70 000 euros. Un exemple, peut-être que cette voiture-là vaut 70 000 euros en France, mais le client a un budget de 58 000 euros net, fini. Et donc, même si on a une belle marge de 12 000 euros par rapport au prix du marché français, peut-être que ce client-là est à zéro à ce montant-là. Et donc, eh bien, il faudra s'arrêter parce qu'il n'aura peut-être pas les 2 000 euros de plus pour faire la carrosserie et la mécanique. Voilà, c'est à titre d'exemple. Bon, donc, malheureusement, le verdict est tombé. Lucas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dis-nous. Le client est au niveau budget déjà à fond, déjà à bloc. On est déjà venu la voir sous réserve. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des fois des clients qui malheureusement entre le petit choc qu'elle a eu, les défauts qu'il y a extérieurement ainsi que intérieur, on a des petits défauts. La mécanique, il va falloir engendrer parce qu'elle a quand même 130 000 km, donc il va forcément falloir faire une vidange, voilà, changer les quatre pneus. Vous voyez, il y aura forcément des travaux, des petits trucs à faire. Et donc le client, on est trop court au niveau budget. Donc on s'arrête là. Il m'en a envoyé deux autres, mais on va aller voir les deux autres et pour la messagerie, on va les trouver. Donc voilà, c'est même si elle vaut quand même le coup, puisque par rapport au prix du marché français, cette voiture-là est bien placée en tout cas. Malheureusement pour ce client-là, on s'arrête là sur celle-ci et on va aller voir si on ne peut pas trouver quelque chose qui va vraiment rentrer dans son budget et peut-être sans frais. Dommage, petite Camaro ZL1, elle passe sous le nez, mais qui sait, peut-être que cet après-midi, demain, après-demain, on aura un client qui nous appellera et qui nous dira « je veux celle-ci » et là, on pourra déjà lui expliquer en premier lieu ce qui s'est passé, ce qu'on a trouvé. Et lui envoyer déjà toutes les vidéos en amont qu'on aura fait. Alors, ce qu'il faut savoir, rappelez-le les amis, chez Dubaï Car Export, on ne va pas vous prendre un seul euro pour venir visiter un véhicule à votre place, ça n'existe pas. Notre commission, elle sera gagnée au moment où vous nous aurez dit « ok, c'est bon, j'achète, c'est confirmé » et que nous-mêmes, nous donnons un dépôt pour vous. C'est là où on vous fait confiance, on va donner un dépôt pour vous au vendeur, on va bloquer la voiture et on va dire « ça y est, tu peux l'enlever des réseaux ». Donc la voiture est bloquée, c'est fini, tu ne peux plus la vendre, elle est à nous et on donne un acompte de notre poche. Et là, après, on aura un délai à peu près de 7 jours, ce qui est pas la loi, mais c'est ce qui se fait beaucoup à Dubaï. Un délai de 7 jours où on aura le temps de récupérer le virement depuis chez vous. On vous fera la facture le soir même. Vous enverrez ça à la banque. Vous irez à la banque directement, parce que c'est en général, c'est un virement international, mais on a aussi un compte français. Donc, en sécurité, vous pouvez faire le virement sur le compte français. Du compte français, ensuite, l'argent sera transféré sur notre compte de Dubaï. Et là, on pourra récupérer l'argent à la banque et venir payer le showroom. Donc là, à ce moment-là, il y aura eu un délai maximum de 7 jours et on viendra régler le véhicule, on le récupérera, on demandera à un camion de venir nous chercher le véhicule, on aura récupéré aussi les papiers, ça arrivera chez nous, dans notre showroom, et de là, on refera une seconde inspection qui sera incluse elle aussi dans le prix d'origine de la commission, de notre commission.
Et donc on aura une deuxième inspection et puis après se déroulera tout le reste avec le chargement dans le conteneur, les photos, les vidéos, et puis on vous donnera tous les contacts de tous nos intervenants français pour quand vous récupérez les véhicules, quand vous aurez les taxes à payer en France, quand vous aurez le véhicule qui sortira du conteneur, voilà, pour avoir un suivi complet de votre côté aussi, parce que c'est le principal, c'est les clients qui devez être au courant de tout et qui devez suivre tout ce qui se passe de A à Z. Et donc pour en revenir, je vous disais tout à l'heure, notre commission de 1 500 €, elle sera perçue qu'à partir du moment où on aura vendu le véhicule pour vous et qu'on aura récupéré donc le véhicule dans nos locaux. Voilà, comme ça évite toutes les quiproquos, pardon. Toutes les choses sont faites claires. Voilà, notre devise c'est on fait ce que l'on dit et l'on dit ce que l'on fait. Et surtout, toujours tout en vidéo, jusqu'au moment où même si vous faites une vidange chez nous, dans nos locaux à Dubaï, quand on fait faire la vidange, ou quand on va faire nous-mêmes la vidange, on va vous faire une vidéo avec l'huile qui est mise dans le moteur, le filtre à air, le filtre à huile, tout ce qui va être modifié, fait sur la voiture, vous recevrez des vidéos de tout, de manière à ce que vous soyez au courant de tout ce qui s'est passé à 10 000 km de chez vous. Voilà l'intérêt de travailler avec Dubaï Car Export, on a un suivi complet sur tout. Voilà les amis, allez on vous laisse, c'était un plaisir de vous montrer ça, on vous refera quelques petites autres vidéos. Vous voyez aujourd'hui on en a visité 5 showrooms, là maintenant avant qu'il fasse nuit, c'est pour ça qu'on va raccourcir un petit peu, avant qu'il fasse nuit, on va parce que la nuit se couche, le soleil se couche ici à 19h, 19h30, donc on a encore deux autres véhicules à aller regarder, donc pour ce même client là, c'est pour ça qu'on va écouter un petit peu, mais en tout cas ça fait un plaisir de vous donner un petit peu d'explication de ce qui se passe à Dubaï, qu'est-ce qui se passe chez Dubaï Car Export, et toujours pareil, avec le smiley, avec l'envie et surtout l'envie de vous faire plaisir dans vos petits sous, dans vos petits comptes, que ça soit parfait. À bientôt les amis, ciao. Bon ben voilà les amis, hein. Nous voici dans les bouchons, ça y est, c'est terminé, la journée est finie, c'est nuit, et notre petit Lucas qui est ici, affalé dans le siège, il répond à ses clients ou pas encore? Les deux. Ouais, affalé, il répond à ses clients. Notre Benjamin, alors lui c'est un bosseur, alors lui c'est même pas la peine, bon. Il n'y a rien à dire, RAS. Notre petite Fanny qui nous sert de conductrice, de chauffeur, et notre petit caméraman qui est là, qui se cache. Voilà, qui a bien fait son boulot aujourd'hui, il va nous faire un beau petit montage de tout ça. Bon, eh bien, écoutez les amis, c'est bon, c'est validé Bibi, ta cotation est terminée, tu vas pouvoir envoyer ça au client. On est bon. Allez, n'oubliez pas les amis, vous pouvez aller appuyer sur le petit lien qui apparaît ici. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de nous suivre, de devenir des followers, de s'abonner. Et puis comme ça, vous verrez toutes nos vidéos au fur et à mesure, vous serez au courant de tout ce qui se passe chez Dubaï Car Export. À bientôt.